C'est qui? Ça, je peux pas le dire. Vous pouvez pas le dire? Oh! Vous demandez qui? Où êtes-vous? Ça vous regarde pas? Où je dois être, et puis c'est tout? Ok. Ben, vous êtes Je suis le roi des fantômes. Le topé numéro, monsieur. Je tiens à vous préciser que je fais jamais deux fois le même numéro dans la même soirée, vous pigez. Eh, hey, ça va, hein? J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Ah, on la rappelle. Oui. Ah, bah, hey, bah, je vous écoute. Oh là. Bah, c'est qui est au téléphone? Ça, je peux pas le dire. Vous pouvez pas me le dire, et d'ailleurs, moi, je vous connais pas. Parce que si je te dis qui je suis, tu vas le répéter à tes copains, je vais tout le temps les avoir au téléphone, on va me demander de passer à la télévision, de signer des autographes, les filles vont s'arracher mon peignoir, ça va être l'enfer. Bah, tu vois ce que je veux dire, hein? L'enfer. Bah, je vous connais pas, moi. T'es mon pote. Non, je suis pas votre pote. Ah. T'as l'air d'une bonne fille, toi, sympa et tout. J'ai l'air sympa, bah, tant mieux. n'importe quoi. Moi, je me calme. Eh ben, calmez-vous. Non, ça va, j'ai compris. J'aimerais savoir qui vous êtes d'abord. Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. Eh ben tant mieux. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu. Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort. Alors ça vous va? Bon, écoutez, j'ai pas que ça qu'à faire, moi, alors fichez-moi la paix. Non, attendez, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Enfin, mon petit gars, tu déconnes, on est comme des frères, non? Eh ben, tant mieux, au revoir, monsieur. Vous êtes... Ah non, il faut revenir, hein. Quand mon mari va rentrer, vous allez voir comment ça va aller. Pourquoi? Parce que vous me faites chier. Ça va se gonfler. Eh ben, moi aussi. Je veux plus faire de business avec vous, bande de nullards, sans façon.